Yo les duellistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo liée au dernier événement, donc le jeu le dé sur table, l'événement de Bakura. L'événement est terminé, on a le nouveau événement avec la Kaiba Corps et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un petit peu comme ce qu'on a fait pour l'événement qu'on avait eu pour les bêtes gladiateurs. On va simplement aller claquer les jetons, donc j'ai un bon gros lot de jetons que je n'ai pas encore ouvert. J'en ai 8330 exactement. Donc on va aller voir un petit peu les récompenses avant tout ça. Donc évidemment on a Zork, on a le Falcos Sage Ailé en UR, on a le Magicien Bleu expérimenté. Donc j'ai déjà eu un Zork, un Falcos, j'ai pas eu de Magicien Bleu expérimenté. Et après on voit les autres cartes qui sont disponibles. Bon grosso modo tout le reste, donc j'ai pas eu un seul Gorille Enragé, j'ai eu un seul Magicien Blanc expérimenté et après voilà le reste je l'ai déjà en 3 fois, donc l'idée c'est de réussir à tout avoir 3 fois, un petit peu de gemmes si possible et les joyaux, l'histoire d'aller compléter avec le changeur de cartes ce qu'on n'aura pas déjà eu. Voilà, donc on va les claquer tout ça. 8300 divisé par 300, ça nous fait 27 ouvertures et on commence avec deux boosters ultra rares et on commence avec un Magicien Blanc expérimenté et un Zork. Donc ça c'est vraiment une super nouvelle parce qu'on commence très très fort. En espérant que tous les boosters soient aussi bons. On va voir ça tout de suite. Le deuxième booster, on n'a que du super rare. Et on n'a rien d'extraordinaire. J'espère vraiment réussir à tout avoir x3. Peut-être un peu de prismatique. On avait eu de la prismatique sur l'événement Bête Gladiateur. Donc pourquoi pas de la prismatique, ça peut être cool également. Pas d'ultra rare. Tac. J'irai contrôler au fur et à mesure un petit peu où est-ce qu'on en est. La première ouverture était vraiment épique, clairement. C'est très rare d'en tout tomber autant. On a eu 20 jetons ex là, donc ça c'est cool. L'idée c'est de pouvoir tout avoir x3 comme tous les événements en fait, l'histoire de pour plus tard. Si jamais ça devient méta, si jamais on a besoin de la carte, et ben on l'a et on peut la jouer x3 sans regretter d'avoir tryhard l'événement à ce moment-là quoi. Tout simplement. On a déjà plus que 5000 jetons, c'est ouf. Ça va super vite. Ok. Alors. Bon, là, niveau récompense, du coup, ça a dû augmenter un petit peu. On avait toujours. Donc, il nous manque un Magicien Blanc expérimenté. On n'a toujours pas de Gorille Enragé. Et du coup, il nous manque deux Bleus expérimentés. Un Sage Ailé, Falcos Sage Ailé et un Zork. Deux Falcos et un Zork. Ce serait bien qu'ils tombent, sinon j'espère qu'on aura assez pour aller les acheter. On fait tomber un petit peu de gemmes au passage. Si on arrive à atteindre les 1000 gemmes, j'irai ouvrir des boosters, deux paquets de 10 boosters à la fin de cette vidéo, l'histoire de la conclure. On continue gentiment, plus que 4000 gemmes déjà. Et on n'a pas eu d'autres boosters UR, donc ça m'inquiète un petit peu. On en a eu deux dès le premier... La première ouverture, elle a plus du tout. Donc j'espère qu'on va en refaire tomber. Sinon, je vais être ennuyé pour pas avoir. Je risque de pas tout avoir x3 et ça, c'est un peu naze. Bon, je dis ça et on en a un. Alors, on croise les doigts, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'était? C'était ça? On l'a déjà 4 fois et en plus, c'est une carte pas forcément ouf. Oh, je suis deck. On a plus de 3000, donc il nous reste grosso modo 11 boosters à ouvrir. On continue. De ouf. Je passe rapidement parce que pour le coup je vois bien les cartes, ce que c'est pas ce qui m'intéresse. On continue encore. Oh, je sens que je vais pas tout avoir. C'est dommage. On va claquer pas mal de clés. J'ai l'impression qu'on a pas mal de jetons ex, alors ça suffira peut-être à avoir ce qui nous manque, mais c'est vraiment pas sûr. Je sais pas si on a vraiment pas de chance ou si les boosters, parce que je me rappelle que les boosters ultra rares sur l'événement Bête Gladiateur, ils étaient pas super difficiles à avoir. Là j'ai vraiment l'impression que soit on a pas de chance, soit ils sont vraiment durs à tomber. Parce qu'on en a eu 3 quoi, en 27 ouvertures. C'est la dernière ouverture de 10. Et on n'a même pas d'UR à l'intérieur. On va claquer les derniers boosters. Des gemmes.
aura eu 3 gemmes sur toute cette ouverture. Un booster classique. Un booster rare. Or, une fusion que je ne jouerai jamais. Booster normal, rituel. C'est pas le rituel que je veux, c'est la carte rituelle. Bon, enfin bref. Allez, avant-dernier. Ok, le dernier. C'est un booster normal. Ok, alors du coup, récapitulatif de l'événement. On a 2 orques, un falcos, pas de magicien bleu expérimenté, 2 blancs expérimentés, pas de gorille enragé et tout le reste en x3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le changeur de cartes. Combien ai-je de jetons? 291, excellent. Donc je ne peux pas acheter ces cartes-là. Bon, et ben je suis bien deg. Bien deg. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter celui-là. Comme ça, on l'a en x3. Hop, magicien blanc expérimenté en x3. On va prendre ça parce qu'on n'en a pas eu un seul. Je pense que je peux en échanger qu'un seul en plus, donc j'aurai qu'un seul gorille enragé. Voilà, c'est ça, c'est épuisé maintenant. Et tout le reste, on l'a déjà x3, x10, x12, x13, x14, x28. On a 28. C'est insane. De toute façon, il nous reste que quelques 91 jetons. Donc, ce qu'on va prendre, c'est les boosts d'XP. N'oubliez pas d'échanger vos jetons, parce qu'après, c'est perdu, quoi, tout simplement. Et on va prendre l'or, tout simplement. Même si l'or, voilà, on a déjà gavé. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo d'ici quelques temps sur quoi faire de l'or dans Duel Link. Parce que mine de rien, ouais, j'ai 2 millions 3 pratiquement. Et il n'y a pas grand chose à en faire. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on peut en faire et ce qu'on aimerait pouvoir en faire. C'est les possibilités qui pourraient s'ouvrir à nous si jamais Konami faisait des mises à jour. Et ce qui pourrait être pas mal, quoi. Bon, on a claqué tous ces jetons. On n'a rien eu d'extraordinaire. Je suis deg parce que du coup, j'aurais tout voulu avoir x3 comme d'habitude. J'ai eu que Zork x2, un seul Falcos, pas un seul magicien bleu expérimenté alors qu'on sait pertinemment qu'il est vraiment fort. Bon, on aurait eu magicien x3, blanc expérimenté x3, mais voilà, bon, c'est pas exceptionnel. Ce qu'on va faire, je vous avais dit 2, là j'ai de quoi en ouvrir un, donc on va aller s'ouvrir un petit booster ensemble pour terminer la vidéo. Je cherche à avoir la carte héros masqué que je n'ai pas encore. Je crois que c'est cette extension qui s'appelle Anki héros masqué. Je joue héros la destinée, du coup je ne l'ai pas encore, ce qui fait que mon deck n'est pas forcément très très fort. Du coup j'aimerais bien l'avoir, c'est cette carte là que je vise, c'est une ultra rare évidemment, c'est pour ça que j'ai du mal à l'avoir. Je vais acheter 10 paquets avec vous pour essayer de voir un petit peu si j'ai la chance avec ces 30 cartes de le faire tomber, sachant qu'il reste 141 paquets, donc évidemment la chance est assez limitée. Bébé tir amazoneski et nerf du coup. Ok, une SR, chargement de masque, ça c'est cool. Ok, Ice Edge. On continue avec fusion parallèle. Je sais pas pourquoi je sens que je vais rien avoir aujourd'hui. Genre j'ai 0 lec. Ok, il est sympa en brillant en plus. Mon dernier booster. Pour le montant, bon, est-ce qu'on a une animation sur le dernier booster? Absolument pas. On va avoir que des communes, on est content. Une rare. Youhou! On n'aura rien eu, en tout cas pas du tout ce que je recherche. Bon, je vais arrêter cette vidéo là, puisque du coup je n'ai pas eu de luck sur tout le long de cette vidéo. On se refait une petite vidéo bientôt pour parler de la Kaiba Corporation Cup, voir un petit peu ce qu'on peut faire, les résultats qu'on va avoir, etc. Et peut-être ouvrir les cadeaux ensemble comme on l'a fait aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez eu, si vous avez réussi à tout avoir x3, si vous avez bien aimé l'event. Perso, j'accrochais pas trop au début, et puis finalement c'est un événement qui me plaît vachement, qui est assez sympa. J'espère qu'on aura de nouveau des événements dans le genre parce que ça change un petit peu des duels. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Si jamais c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et sur ce, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao !